scrutin du 9 novembre 2023. Les candidatures affluent à la HCC. À la veille de la clôture du dépôt de candidature à la présidentielle du 9 novembre, les prétendants à la magistrature suprême de l'État se précipitent à Ambouida pour déposer leur dossier. Cet après-midi, l'ancien président Eri Razonarmampian a accédé à la requête de ses partisans et du parti HVM en déposant le sien auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Eri Razonarmampian brigue ainsi un second mandat à la présidence de Madagascar après avoir été recalé en 2018. Il a fait une brève déclaration à sa sortie de la HCC, accompagnée des ténors du HVM. Lundi, ils étaient quatre à déposer leur dossier. Azu Anjenenarvel, le président national du parti MMM, Tahin Razafnzuiln, du Fresankinani Titanjazana FTT, Irtina Guy Lachapelle, de Nature, et Senson Daniela Raderanirina, présentée par FIEM. Lors d'une réunion à son quartier général d'Ankirena, Azu Anjenenarvel a appelé à l'entraide des citoyens, à tourner la page et à réécrire une nouvelle histoire de la nation. Eri Razonarmampian du HVM est donc le 15e candidat en date à s'être présenté à la HCC.